Salut tout le monde, c'est RX7 Romain, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur H1Z1. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On va parler aujourd'hui essentiellement de H1Z1, mais surtout des nombreuses modifications qu'a subi le jeu ces derniers jours. Alors voilà, les développeurs ont décidé de scinder le jeu en deux. Alors d'un côté il y a le mode survie, de l'autre côté le mode Battle Royale. Alors ça s'appelle Just Survive, et en ce qui concerne le Battle Royale c'est King of the Kill. Alors je me suis renseigné un petit peu sur la chose sur le site de War Legend. Alors je vous mets le lien dans la description si jamais. Et il explique en fait les différents détails de cette mise à jour. Et je vais essayer de vous citer un peu ce qui s'y trouve. Alors premièrement, si vous avez acheté le jeu avant le 16 février, vous avez accès à ces deux jeux. Parce que maintenant c'est vraiment considéré comme deux jeux différents. Et si maintenant vous avez envie d'acheter H1Z1, en fait, il faudra faire un choix. C'est soit le mode survie, soit le mode Battle Royale. Là, honnêtement, ça a pas mal gueulé parce que c'est 20€ par jeu. Pour avoir les deux, c'est 40€. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'acheter ce jeu avant le 16 février. Je l'ai eu pour 15€ sur Instant Gaming et du coup, je possède les deux jeux, heureusement d'ailleurs. Mais pour ceux maintenant qui aimeraient faire un choix, bah, je dirais que le mode le plus populaire actuellement sur H1Z1, c'est surtout le mode Battle Royale. Et... Je suis le premier à le dire, moi c'est pour ça exclusivement que j'ai acheté ce jeu. Le mode survie, après, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, moi. Mais du coup, on peut se dire, ouais, bah, un joueur lambda va dire, bon ben bah, voilà, j'ai pas forcément envie de jouer au survie, à moins que si, et je l'espère d'ailleurs. Du coup, ça va vraiment faire un choix en fait entre les deux, et c'est pas une bonne chose, je trouve. Il y aura moins de monde sur le mode survie, déjà que le mode survie était un peu délaissé comme ça déjà avant. Et là maintenant ça va vraiment forcer les joueurs à faire un choix. Et honnêtement je trouve pas que ce soit une bonne chose. Après le fait qu'ils aient scindé le jeu, je suppose que l'équipe de direction qui s'occupe de ça également va se scinder en deux. Du coup on peut s'attendre à une meilleure focalisation des développeurs sur le jeu en lui-même. Que ce soit ceux qui s'occupent du Battle Royale s'occupent exclusivement du Battle Royale. J'entends par là plus de mises à jour plus régulièrement, et de même pour le mode survie. Après ce qui m'inquiète moi énormément, c'est c'est surtout pour le mode survie. J'ai peur que ce mode soit un peu délaissé à cause de cette mise à jour. Et le fait de devoir payer deux fois 20€ pour avoir le jeu entier, il se fout un peu de notre gueule, faut dire ce qui est. Sinon, grosse nouveauté aussi, une grosse annonce, le jeu sortira officiellement de l'Early Access cet été en 2016. Et grosse nouveauté, personnellement j'étais pas au courant avant d'avoir lu ça sur le site de War Legend. Il sera lancé cet été sur PlayStation 4 et sur Xbox, 360, non, sur Xbox One. Pour ceux qui se demandent ce que vont devenir vos items, vos caisses, vos clés, vos objets, etc. sur H1Z1, ça va être scindé en deux. Donc si vous avez eu la chance comme moi d'avoir déjà des items sur le jeu avant cette mise à jour, bah, vos items seront dupliqués en fait. Donc d'un côté sur la partie King of the Kill et d'un autre côté sur le Just Survive. Et du coup, alors moi je viens de le faire là actuellement. J'avais un suite, par exemple la suite bleue, j'avais acheté quoi, 50, 60 centimes peut-être. Là actuellement le prix est remonté. Je l'ai vendu sur le King of the Kill, je l'ai vendu à 1€. Et vu qu'il a été dupliqué, je peux aussi le vendre en mode Just Survive pour peut-être 30 centimes, quelque chose comme ça. Du coup, ouais, j'ai acheté mon truc 60 centimes. Là, vu que ça a été dupliqué, je peux l'avoir pour... je peux le revendre pour plus cher et deux fois. Alors du coup, je me pose des questions quand même, parce que ceux qui ont des items extrêmement chers, le masque de cochon, là, ou l'AK toxique, ou quelque chose comme ça, je me demande s'ils peuvent le vendre en x2 comme ça, et c'est un peu de thune, je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne, si jamais des joueurs ont déjà essayé, ou si vous avez déjà vu quelqu'un le faire, etc. N'hésitez pas à me le faire savoir, ça m'intéresserait quand même. En ce qui concerne mes ressentis, moi, vis-à-vis du jeu, alors pour le moment, j'ai juste testé le King of the Kill. Au niveau du menu, bon, c'est assez simple. C'est plus comme avant où tu cliques juste sur Join Battle Royale et ça trouve là, ces serveurs, c'est pareil en fait. Tu cliques sur ce que tu veux et ça, pardon, et ça te trouve un accueil. Après, dans le jeu, honnêtement, j'ai rarement vu autant de bugs sur H1Z1 depuis cette mise à jour. Quand j'atterris
Une fois sur trois, je me retrouve sous la map. Impossible de faire quoi que ce soit, même de log out ou quoi. Pas moyen. Du coup, ce que je fais, bah, je suis obligé de quitter le jeu, de relancer. C'est très très chiant. Également, gros problème. Alors, ça, je sais pas si. Enfin, j'ai pas ce souvenir là en tout cas, mais je trouve pas de loot. Dès que j'atterris, dès que je spawn, je tourne en rond, mais pendant longtemps, même des fois, alors à des endroits où. Ouais, des hangars ou des trucs comme ça, normalement. T'as minimum un petit gun ou quelque chose comme ça. Alors là, rien du tout. Le nombre de fois où j'ai croisé des mecs où on est là, on est tous les deux sans armes et tout, on fait bon, bah, bonne chance. Mais ouais, non, je sais pas si c'est fait exprès, si c'est un bug, si ça va être corrigé ou quoi. Sinon, récemment, je me suis essayé à faire un live sur YouTube. Alors, il y a des abonnés à moi qui. Enfin, un abonné surtout qui m'a aidé en fait. J'ai essayé en fait un live sur YouTube, sauf que ma connexion ne suit pas du tout. C'était ridicule. J'ai réussi quand même à faire 2 kills dans une battle royale et finir, je crois, 7ème, je crois, quelque chose comme ça. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à faire un bon score. Je m'améliore un petit peu, j'irai sur H1Z1, même si, bon, c'est pas fameux. J'ai réussi à faire quelques kills récemment. Là, entre autres, vous avez un gameplay sous les yeux où j'ai fini 3ème, je crois, 3ème ou 4ème. Du coup, voilà, je compte vraiment faire plein de vidéos sur H1Z1, rassurez-vous, moi c'est un jeu que j'adore, malgré tout, même si, ouais, j'étais un peu, comment dire, déçu de la dernière mise à jour, mais bon, c'est pas bien grave, on va faire avec. Du coup, voilà, je compte lancer une série très prochainement sur ce jeu, j'ai déjà réfléchi à comment enregistrer ça, comment tourner ça, je réfléchis énormément à plein de petites choses en ce moment. Ça, je le dis assez souvent, ça fait quelques vidéos que je vous le dis, mais ça vient, rassurez-vous, ça vient. Du coup, voilà, j'espère que cette courte vidéo sur H1Z1, sur la découverte du King of the Kill surtout, vous aura plu. J'espère que j'ai rien oublié, j'espère pas en tout cas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et surtout un commentaire. Moi, c'est les commentaires qui m'aident. Bah, qui m'aide vraiment. Restez jusqu'à la fin, je pense vous proposer un petit glitch sur H1Z1. Alors, ça a été enregistré avant la mise à jour de février. Du coup, je sais pas si c'est encore fonctionnel ou pas. En tout cas, je vous le propose, ce petit glitch que Noam Dark m'a conseillé. Enfin, m'a montré surtout. Du coup, voilà. Portez-vous bien, on se retrouve pour ma prochaine vidéo. Et à la prochaine. Salut! Ce glitch a été réalisé dans la ville de Cranberry, en H7 sur la map. Pour ce faire, il faut se coller à la poignée de porte du dernier étage du bâtiment en question, appuyer sur la touche sauter et fermer la porte en même temps. Attention cependant, pour redescendre du toit, il vous faudra sauter du bâtiment. Je vous recommande donc de vous équiper de medkit.